Bon, ça va pas de son. C'est ma malédiction personnelle. T'inquiète, en bref, on n'arrive quasiment jamais à commencer un live avec du son. Ah, on l'entend, elle. C'est bon, on entend. Vous nous entendez? Alors, tant pis, on va faire. Il est en train de régler le problème. Normalement, là, vous devriez m'entendre. Et vous devrez m'entendre bien, normalement. Suspense. Suspense, attention. Oui, c'est bon, ça marche. Okay, excusez-moi. Parfait. Désolé. J'avais pas vu. Du coup, on a décidé de. Donc, Vivien. De l'autre côté, Manon, enfin Limbéré de Tolkien en bref, et l'œil boucheron de Tolkien Deal seront en ma compagnie ce soir pour parler des épisodes 1 et 2 des Anneaux de Pouvoir. On a décidé de ça pour ne pas vous surcharger, surtout pour pas faire 2 jours de live. Hein. On n'en fera qu'un et on se retrouvera la semaine prochaine pour les épisodes 3 et 4. Alors déjà, je vais vous demander votre avis, chers invités. Sur les 2 premiers épisodes. Honnêtement, les biens, les moins bien. En tout cas, en global, et puis on reviendra en particulier sur l'épisode 1, puis on l'épisode 2. On fait pas un 2. Résumé? On le fera après. On le fera après. Ok, bien. Qui se sent de commencer? La suivante. Bon, eh ben. Vas-y, bien, Vivien. Puisque... Vas-y. Alors, un peu comme la première saison au tout début, c'est un sentiment assez mitigé. Pas complètement négatif, pas complètement positif non plus. Il y a beaucoup de choses qui m'ont chiffonné. C'est toujours très beau au niveau des décors, hein. Je pense que ça, c'était déjà un point fort de la première saison. La musique aussi. Après, sur la caractérisation des personnages et sur les choix scénaristiques, il y a beaucoup à dire à mon sens. Éloi ? Pour moi, je partage assez l'avis de Vivien. Je trouve qu'ils ont été assez audacieux sur certains choix, notamment dans l'écriture des personnages ou dans les choix visuels, notamment. On y reviendra, je pense. Après, ces 2 épisodes n'ont pas trop réussi à m'accrocher, okay. Je dois dire. C'est-à-dire que je vais continuer à regarder la série parce que c'était prévu, mais... Je ne suis pas tout à fait. Ça n'a pas réussi à captiver mon attention plus que ça pour le moment. Même s'il y a des points, c'est positif. Et enfin, Tolkien en bref, Manon. Alors, aussi un petit peu mitigé. Comme j'avais été quand même vraiment assez déçue de la première saison, je m'attendais à pas grand-chose. Mais du coup, ça fait que je suis ressortie avec un sentiment plus positif que prévu, vu que. Vraiment, je m'attendais à pas grand chose. Donc, il y a des choses qui m'ont quand même pas mal plu. Pour des choses qui, sont tardives. Les 2 autres ont en effet pointé du doigt certains aspects au niveau personnage, scénaristique, etc. Mais au final, j'ai passé un meilleur moment que ce que j'aurais pensé. Et meilleur moment qu'à l'époque quand j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 1. Voilà, et les 2 premiers épisodes de la saison 2, en tout cas, m'ont plus embarqué, m'ont plus plu que ce que la saison 1 m'avait plu. Donc c'est plutôt positif, étant donné qu'on partait sur la base du assez négatif dans ma tête. Quant à moi, bah, je dois vous avouer que quand même j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers épisodes. Un, parce que je les ai vus en avant-première à Madrid.
Merci à Tolkien espagnol. Mais même en les ayant vus du coup au cinéma, et je pense que c'est une série qui gagne, enfin comme beaucoup de séries en fait qui gagnent à être au cinéma, du fait de la beauté des décors, du grandiose, etc. J'ai trouvé que c'était quand même beaucoup mieux parce qu'on partait, en tout cas sur les deux axes narratifs qui étaient exploités dans ces deux premiers épisodes, on partait de mieux que ce qui était quand même prévu par la première saison. Moi j'ai trouvé que les deux personnages que j'avais détestés dans la saison 1 étaient quand même devenus attachants, ou en tout cas avaient un potentiel bien mieux développé, c'était, je dirais qui c'est après. Mais voilà, moi j'avais quand même pas mal aimé, il y avait des trucs... Moi j'ai beaucoup aimé les choix audacieux de la série justement. Après bon, moi j'ai fait mon deuil, hein, ce n'est pas, ça sera pas un 100% Tolkien, hein, ça sera, c'est une fanfiction à 100 000 euros, à 1 milliard d'euros pardon, comme l'a dit un de mes meilleurs potes cet après-midi. Donc voilà, donc dans l'ensemble c'est quand même assez mitigé, mais plutôt pas mal, il y a quand même un peu de mieux que sur le début de la... Alors, en tout cas on n'a pas Valinor dès l'épisode 2, enfin je suis désolé. donc voilà, donc ce que je vous propose c'est quand même qu'on va résumer l'épisode 1 assez rapidement. On va s'arrêter sur des moments clés et vous me donnerez votre avis sur la question, sachant que quand même le début de l'épisode 1 c'est vraiment un moment clé du truc. Après on va faire une on va faire les moments préférés, les moments détestés de chacun et de chacune. Puis on va faire ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé, une nouveauté de l'émission, des afters, c'est la minute Tolkien. Ça veut dire qu'on va prendre un passage de l'épisode et qu'on va voir ce que Tolkien en a dit dans son légendaire et voir comment la série a décidé de l'interpréter ou si elle a décidé de l'ignorer complètement, est-ce que c'est dommageable ou pas. Voilà. Donc on va passer sur la diapo et on commence avec Sauron qui est en Forodwaith. Je le prononce très mal, hein, évidemment, je vais me faire taper. mais c'est pas grave. Et qui est incarné par un autre acteur que Charlie Vickers. Et j'avais son nom tout à l'heure. C'est le temps que je retrouve, bah, je vous laisse discuter de ce passage. Voilà. De Sauron de face aux orques, justement, qui essaye de les convaincre que c'est lui le président. Alors, si ça, je peux commencer. Vas-y, si vas-y, vas-y. J'ai trouvé ça hyper intéressant qu'on commence là-dessus, parce que on plante le décor de la saison avec les méchants et pas avec les gentils. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça donne une ambiance quand même dès le début, enfin un peu plus présente. Et j'ai été partagée. Dans le sens où, contente par exemple que ce soit un autre acteur, parce que du coup, c'est vrai que ça permet de montrer le fait que Sauron peut changer d'apparence. Un peu perturbée de voir Sauron si peu sûr de lui face aux orques, parce qu'il y a deux, trois moments où on dirait qu'il est vraiment là. Excusez-moi de vous déranger, mais. Et ça, j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre, mais par contre, j'aime beaucoup l'exécution et le. L'explosion qui en suit, j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant. Et ensuite, ben, le slime. On y va pas tout de suite. Je laisse quand même Vivien et Loi parler du nouveau Sauron, donc qui est incarné par Jack Loin. Moi, en fait, j'ai beaucoup aimé surtout le fait que... Alors, je vous laisse la parole juste après, messieurs. C'est qu'en fait... Certes, c'est pas normal que Sauron soit aussi effrayé par des orques, mais un Sauron qui a perdu la guerre de la Grande Colère, qui s'est retrouvé pourchassé par les Valar, qui a essayé d'affaire un monde honorable et qui s'est finalement enfui et qui doit essayer de retrouver une sorte de légitimité face à ses armées. Certes, c'est pas très Tolkien, mais je trouve que c'est quand même bien amené. Donc, moi j'aime bien. Vivien, Eloi, si vous avez quelque chose à ajouter sur Sauron qui se fait tabasser par des orques. Moi, j'adore qu'il se fasse tabasser par des orques. Moi, je trouve ça génial. Mmh. Révolution orque, ça me plaît. Moi, je rejoins un peu Limbaire. C'est vrai que j'ai aussi été étonné de voir à quel point Sauron était peu sûr de lui, en fait, face à cette masse d'orques.
On a l'habitude des représentations de Sauron dans son armure, là, qui est très impressionnant, tous les orques qui s'abaissent devant lui. Et là, c'est un Sauron qui est minoritaire, qui hésite beaucoup. Et par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette scène, c'est Adar. Qui a Parce changé que d'acteur du coup, hein. Qui a changé Oui, d'acteur, tout c'est à fait. Sam Hazeldine qui a remplacé l'acteur de Benjen Stark. Et cet Adar, on voit qu'il est dans un moment d'hésitation, en fait. Et puis qu'il est partagé, on ne sait pas trop s'il fait ça. Enfin, si. Donc il décide de s'en prendre à Sauron par ambition ou parce que réellement il s'est attaché à ce peuple orque comme il le prétend. Et je trouvais que l'acteur incarnait très bien son rôle et qu'on avait ces deux facettes qui ressortaient bien. Vient. Moi, je suis plus partagé que ça en fait sur la question de. Alors, déjà, l'incarnation de Sauron auparavant, comme ça. Alors, bon, le fait qu'on reboucle avec Sauron dès le début, alors qu'on l'avait quitté en tout dernier sur la saison 1, ça, enfin, je m'y attendais en fait, hein, ça paraît assez évident. Cet acteur qui va durer 2 minutes chrono en main, qui a aucun charisme, parce qu'objectivement, j'ai cherché un peu à savoir au début qui c'était avant de comprendre qu'en fait c'était Sauron et qu'effectivement, enfin, il incarne un Sauron qui n'est pas sûr de lui. Je vois pas trop en fait le but de faire ça. Et surtout, moi, ce qui m'a posé le plus de problèmes quand on arrive sur le meurtre et les raisons du meurtre par les orques, c'est en fait la relation avec ce qu'on a vu en saison 1, épisode 1, quand Galadriel arrive au Forward Ways, donc c'est le même endroit exactement dans la saison 1. On comprend, ou en tout cas on croit comprendre que si Adar a tué Sauron à ce moment-là et on croit l'avoir tué, c'est à cause des expériences qu'il a faites, en tout cas, puisqu'on voit des cadavres à ce moment-là dans le Forward West, d'orques pris dans les murs, etc. Et là, on arrive en saison 2, Sauron se fait effectivement tuer, mais avant d'avoir pu faire n'importe quelle expérience sur les orques. Alors du coup, elles sont passées où les expériences? Dans quelle temporalité on se trouve? Ou alors c'est C'est un après. faux pas de scénario peut-être? Ben non, ça peut pas être après. Puisque le après, il est directement lié en termes de temporalité Oui, à la chute du au gel du Ford à ce Weiss. qu'on a vu avec Galadriel dans la saison 1. Il se transforme en Halbrand et donc après il prend le bateau, etc. Après, la gestion de la temporalité de la série a toujours été un peu complexe et pas toujours. Oui, mais là c'est plus que complexe. Et là, il y a un écueil en fait. Comme si un passage avait été complètement oublié entre la saison 1 et la saison 2. Ou alors les raisons qui font que Adar tue Sauron, enfin, elles sont pas encore présentes, quoi. Il y a quelque chose qui manque en fait. Après, il a pu faire des expériences Le... quand il était encore sous Morgoth. Ça s'entendrait. Mais bon, bref, on passe. Oui, non, mais bon, c'est pas forcément important, mais voilà, ça c'est mon ressenti. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Après, c'est sur la transformation elle-même, qu'on va arriver. J'avoue que le moment Sauron qui fait des kamehameha, ça m'a surpris. J'ai pas trouvé ça désagréable, mais c'était pas si mal en fait, hein. En vrai, les Maillards sont juste de l'énergie. Mais on va. Alors, sur le moment. Avec le gel du Forward Ice. Sur le moment Slime, je vous propose qu'on le mette de côté parce qu'on y reviendra plus tard. Parce que je sens que celui-là, il va déchaîner les passions. Et en fait, on en reviendra dans la minute Tolkien. Parce que c'est le moment qui a été choisi pour cet épisode-là. Si ça vous va. OK. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est quand même. Un moment qui n'a pas trop été aimé par vous, alors que moi je l'ai bien aimé. Si. Enfin, oui, toi c'était plus dans l'exécution c'était bien, mais dans le principe, bof. Non, c'est l'inverse. À l'inverse, dans le principe c'était bien et dans l'exécution c'était bof. Ok, ça marche. Mais on y Merci les revient. deux. On y revient après. Donc ça je passe, hein, on va revoir justement Charlie Vickers qui va prendre forme d'Halbrand après avoir dévoré. Rat, scolopendre et humaine. D'ailleurs, ses vêtements ont grandi, ou à l'humaine, parce que il a pu les prendre. Et ça, c'est comme Hulk, tout ça, Oui. toujours Alors, souci de vêtements. en vrai, la rencontre entre Halbrand et justement les fuyards du sud, à ce moment-là, il est quand même assez
assez bizarre dans le sens où on essaye de faire Sauron, de faire tendre Sauron vers le bien. Pourquoi pas? C'était déjà un débat dans la saison 1. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Ah ouais? Moi, je pense, enfin, je l'ai senti où Sauron, bah, c'est le gars là qui fait genre, faut faire les choses bien, etc. Et juste Sauron, finalement, qui est curieux. Et ce qu'on lui dit, c'est qu'il y a, il y a moyen d'aller dans l'Ouest. Et je pense qu'il est très curieux aussi, à la base, justement, d'aller voir Numenor, ses potentiels ennemis, etc. Parce que d'ailleurs, enfin, il n'hésite pas une seconde à pas aider le gars dans, le, ensuite, dans le bateau. Donc, pour moi, c'est juste qu'il fait genre... Mais c'est complètement de... Il est toujours ambivalent, de toute façon. Voilà, au début. Mais je ne l'ai pas vu, je l'ai pas vu comme la série qui essaye de faire douter sur Sauron qui aurait peut-être voulu se repentir à ce moment-là. J'ai vu comme Sauron opportuniste. Ouais. Bah, c'est de l'opportuniste, mais ce que je trouve gênant, c'est que si c'est vraiment comme ça qu'ils veulent le caractériser, là, en fait, à peine il sort du premier âge, parce qu'a priori, c'est... si on... on reparle de temporalité, on a l'impression que c'est un peu ça. C'est très resserré en termes de durée. Donc s'il sort du premier âge, il essaye de prendre le lead, il se fait trahir par les orques. À ce moment-là, Numenor, il ne doit pas connaître en tout cas la puissance de Numenor. Donc il n'a pas une raison, en tout cas opportuniste, ou, d'aller voir des ennemis puisqu'il ne connaît pas. Par contre, il a de la curiosité, là je suis d'accord, dès qu'on lui parle de, bah, de cette puissance zone de l'ouest. À l'ouest où les hommes peuvent se repentir, il est intéressé. Donc il joue effectivement sur cette ambivalence, ce qui n'empêche pas d'avoir sa part de sombre qui revient quand très vite, d'ailleurs. Dans le bateau, oui, très très rapidement effectivement. Après, moi, c'est l'instant justement après le naufrage qui me semble un peu plus. On retrouve l'héraldique hein, avec Sauron qui a son moment maître des bêtes, qui est capable de contrôler l'énorme bestiole qui est sous la mer d'un seul regard. Après, bon, que Sauron ait un pouvoir sur les créatures. Ouais. Ouais, hein. Bon, après, on arrive ouais, toujours à ce qu'on avait déjà dit en saison 1. On arrive en plein milieu de la mer, et là, oh miracle, Sauron et Galadriel qui se retrouvent au même endroit, au même moment, avec un hasard, une chance sûre. J'ai lu un truc qui me plairait beaucoup, si c'est le cas, après je sais pas si ça va être ça, hein, je pense pas. J'aimerais beaucoup que ce soit Sauron qui soit à l'origine du marissement des arbres du Linden, et qu'en fait, il est compté sur l'envie de vengeance de Galadriel au point qu'elle se fastège par Gil-galad et qu'il ait mis un point dessus. C'est en fait d'être cette espèce d'énorme mastermind avec 10 000 plans possibles, imaginables, etc. C'est pas forcément ce que la série va tendre, mais si c'était le cas, pourquoi pas. C'est un peu capillotracté, en même temps pas trop déconnant avec le personnage de Sauron, mais ça veut dire quand même qu'il est quand même vachement au fait de la psychologie de Gil-galad. Oh bah ils se connaissent, hein, je pense. Enfin, il est très très au fait. Oui. Après c'est toujours des coups de pari quand tu fais des plans, hein. c'est pas forcément quelque chose de sûr à 100%, surtout quand tu fais des plans sur la psychologie des gens. On a plus l'impression que Sauron, que ce soit là dans les scènes de flashback ou même dans la saison 1, en fait, qu'il joue beaucoup de choses au hasard. Là, quand il suit un peu juste la scène précédente, lorsqu'il décide de suivre les hommes dans leur quête pour aller vers l'ouest, on a vraiment l'impression qu'il a hésité jusqu'au dernier moment. Est-ce que je retourne vers les orques? Est-ce que je m'en vais avec les hommes? Enfin, donc je suis pas sûr qu'il y ait un plan vraiment très... très structuré et détaillé. Oui, bien sûr, c'était juste une théorie. C'était une théorie que j'avais lue, hein. C'était pas forcément la vérité vraie, mais si c'était le cas, pourquoi pas, en vrai. Ensuite, on retrouve justement Galadriel après qu'elle est, on est repassé un peu les éléments de la saison 1, qui poursuit Elrond. Elrond qui a subtilisé les anneaux sur le trajet entre l'Eregion et le Linden. Une course-poursuite pour mettre de l'action et du dynamisme, pourquoi pas.
Avec toujours ces fameux gros plans sur la tête de Galadriel qui fait des grimaces. Ça, c'est... Je pense qu'ils vont le faire à chaque saison, juste pour le plaisir. C'est pas la meilleure course poursuite qu'on ait vue. C'est un clin d'œil à... Enfin, je... Vas-y, vas-y. Une course poursuite en chevaux, c'est assez trivial, mais j'ai eu l'impression de voir la course poursuite avec Arwen dans le premier Seigneur des Anneaux, en film. Alors moi j'ai trouvé avec justement j'ai trouvé que les deux premiers épisodes référençaient beaucoup le travail de Peter Jackson. Enfin, il y avait beaucoup de références quand même. Ouais. C'est quand même assez, c'est un choix quoi. Justement, course poursuite qui se termine devant. Le haut roi devant Gil-galad. J'ai trouvé d'ailleurs sa perruque beaucoup moins bien que dans la saison 1. Je trouve qu'elle lui fait des côtés un peu tout droit. Mais mis à part ça, il a beaucoup de prestance, je trouve, Ben Walker, dans cet épisode-là, hein, avec justement la gestion entre Galadriel et Elrond, entre le fait que il y a la mauvaise nouvelle. The mauvaise nouvelle, quand même, qui est là. The big one. Mais en même temps, qu'il ait besoin... Enfin, qu'il a toujours cet esprit tourné vers les anneaux, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé ça... Je trouvais ça pas mal joué, en fait, entre les deux, et que la relation entre les trois était quand même bien amenée à l'écran. Concernant cet enjeu-là. Il y a une question, quand même, que je me pose, c'est pourquoi il tourne sa veste, quand même, relativement rapidement, hein. Dans la saison 1, fallait pas utiliser quoi que ce soit pour essayer de faire des anneaux ou de faire une couronne ou je ne sais quoi pour sauver les elfes. C'était limite. Et là, d'un coup, trois anneaux qui apparaissent. Bon, ok, Sauron, mais on peut peut-être essayer quand même, quoi. C'est un peu ambivalent, encore une fois, là aussi. Mais je ne sais pas dans quelle direction il va, en fait, Gil-galad. C'est un peu compliqué à le cerner, je trouve. Encore plus dans l'épisode 2, quand on y arrivera. Tu veux dire par rapport à son rapport à Galadriel, notamment? Bah, à Galadriel et aux anneaux, en fait, tout simplement. Daziel, ouais. Eloi. C'est vrai que moi, j'avais pas du tout été convaincu par Gil-galad dans la saison 1. J'avais trouvé qu'il avait un côté très politicien et qu'il était... Enfin, pas très convaincant, il ne se rapprochait pas trop de l'image que je me faisais d'un roi elfe assez sage qui devait d'ailleurs partir au combat par la suite. Et là, il s'est bien assagi, je trouve, en quelque sorte, et j'ai trouvé beaucoup plus convaincant. Moi, j'ai trouvé plus royal, en fait. Tout à fait, oui. J'ai trouvé beaucoup plus royal dans ces deux épisodes-là. Après, on verra la suite, hein, mais c'est un peu ça, mon impression. Alors, par contre, je tiens à le dire, le Sindarin de Morfinn Clark est incroyable. Non, mais ils ont des bonnes prononciations quand même. Hein. Il y a eu du taf là-dessus. Il y a eu du taf là-dessus. Elle n'est pas galloise. Si, elle est galloise. Elle est galloise. Ouais, ça aide, je crois. Ça aide. On l'avait dit dans la saison précédente. Il y a des sons. Il y a des prononciations qui sont plus facilitées. Ouais. Mais elle a une intensité dans sa manière de parler elfique qui est quand même très agréable. Mm. Pas relevé, je peux t'avouer. Alors, Elrond décide de faire ce qu'il aurait dû faire dans Le Seigneur des Anneaux. À savoir... Un saut dans l'eau, je sais pas, parce que le Rodwin, ça m'a pas trop l'air d'être aquatique comme milieu. Mais en tout cas, il décide de sauter dans la cascade. Bah. Et franchement, en vrai, ça m'a fait tellement rire, cette référence à Jackson... Ça en a fait des mèmes, quoi. Enfin, Internet s'est lâché sur ce truc-là. Hein. Et franchement, c'était assez rigolo. Mais bref, c'était pour le marrant. Pour répondre au chat, Galadriel me paraît quand même beaucoup moins antipathique que dans la saison précédente. Et enfin, elle est sous emprise. Et ça, c'est un truc qu'on oublie beaucoup. Et que les séquelles de l'emprise de Halbrand, on ne sait pas c'est quoi l'étendue. En fait, on pourra placer littéralement tout son comportement sous le fait qu'elle a été sous emprise. Et c'est un peu difficile à dire, elle a été fourbe, oui, mais enfin, elle a subi une emprise assez forte. En partie dans l'épisode 2, oui, on en parle d'ailleurs. Un bon moment quand même. Alors, ma partie préférée,
Je tiens à le dire, parce que le retour dans les terres du Sud et justement la démonstration de l'autorité de Sam Hazeldine était quand même assez, assez incroyable. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette mise en opposition, on passe du roi des elfes au roi des Uruks. Je trouve ça quand même assez bien joué dans l'astuce. Donc pour résumer vite fait, hein, en gros, Adar s'est installé dans les terres du Sud qui sont devenues le Mordor. Les orques ratissent le Mordor pour récupérer les hommes des terres du Sud, d'anciennement des terres du Sud, et de les réduire en esclavage. Et du coup, ils retrouvent Halbrand, qui s'est rendu. Pourquoi? On sait pas. Enfin, nous on va savoir, mais qui s'est rendu volontairement à Adar. Et c'est une scène qui a fait polémique parce qu'on voit des orques femmes et des enfants. Et en vrai, on va pas épiloguer, hein, y en a chez Tolkien. Enfin, c'est. Enfin, bref, voilà. Enfin, y en a au pas. Contraire, ça faisait plaisir. Oui, moi. De toute façon, cette série va gagner des points en caractérisant les orques. Ouais, complètement. Voilà, donc. C'est déjà le cas, c'est sûr. Voilà, donc, et c'était le point fort, enfin, au niveau de personnages non nommés, c'était quand même le point fort de la saison 1. En vrai, plus on va caractériser en faisant des chants orques, des danses orques, montrer des vies de famille, etc., plus vous y allez, mieux on aimera. Allez-y. Et franchement, les rappels de la scène d'intro dans cette scène-là. Je sais pas vous, mais quand même, moi, je les ai trouvés vachement bien faits. C'était très simple, et j'ai trouvé ça vachement bien fait. Un peu gros. Ah bah oui. Mais des fois, plus c'est gros, plus ça passe. Un peu gros pour moi. Bonsoir, Elroyer, d'ailleurs. Merci d'être venu. Je sais pas, Vivien, Eloi. Sur quoi, précisément? Bah, sur le rapport entre Halbrand et Adar, sur le fait que, Halbrand qui joue un double jeu en essayant de vendre Sauron alors que il est juste devant. Il est juste devant. C'est intéressant, mais comme je comprends toujours pas le rôle d'Adar depuis la saison 1. En fait, depuis la saison 1, donc pour moi, c'est un personnage qui a été inventé qui ne sert pas à grand chose. Comment ? Il va servir en fait à montrer comment Sauron va vraiment revenir au pouvoir de toutes les créatures maléfiques en faisant un entre-deux avec ce personnage qui du coup est intéressant, même si moi du coup j'aime pas parce que du coup ils entérinent cette idée que c'est forcément des elfes torturés à la base les orques. Mais ce personnage est intéressant parce que il amène en effet de l'humanisation des orques, donc on voit des orques un peu différemment et ça change, c'est plus juste de la poudre à canon et ça va permettre en fait surtout d'imager le retour au pouvoir de Sauron parce que forcément il va être amené à détrôner Adar quoi. Et surtout le retour en esclavage des orques. Sur le côté personnification. Je suis d'accord, mais tu vois, ça c'est un rôle qui aurait très très bien pu être associé à Sauron lui-même en fait. Bah, c'est pas son rapport aux orques, non ? Enfin, c'est pas ça le rapport qu'il a aux orques. Bah, on sait pas en fait. Oui. Parce que là, pour une fois, on a des orques qui sont dans une loyauté réelle. Et pas dans la peur. Là où Morgoth, Sauron, c'est écrit que c'est. Ah oui, mais justement, Morgoth et Sauron, ils ont pas la même chose, ils ont pas le même rôle. Hein, Morgoth, c'est un nihiliste. Sauron, il est là pour gouverner une terre du milieu comme il l'entend. Mais c'est pas du tout la même approche. Autant les orcs qui peuvent avoir peur de Morgoth au premier âge, autant la loyauté, elle est là à partir du moment où c'est Sauron qui prend le lead. Et donc, je te vois aussi hocher la tête. Ouais, moi je suis pas d'accord non plus, mais je bon. Je suis pas d'accord parce que dans le Seigneur des Anneaux, justement, le moment où tu entends les orques. On est au troisième âge. Ouais, mais du coup, il y a une évolution. Sauron serait passé du bon père, d'entreprise, à prendre soin de ses petits chéris, à un tyran capitaliste qui exploite jusqu'à la mort. Enfin, c'est bizarre comme changement. Mais là, on le voit, en fait, là, sur le premier épisode, où il explique, en fait, qu'il veut se servir des orques pour faire ses expériences. Oui, mais il ment.
Mais ça, oui, mais ça, en termes de temporalité, ils ont décidé de le mettre au début. Mais ils auraient très bien pu décider que c'était une évolution logique du personnage, parce que au début, il demande la loyauté, et puis plus il va acquérir du pouvoir sur le deuxième âge, sur les peuples, plus il va faire la guerre pour les anneaux, et plus il va tomber aussi, lui, du côté de la corruption et du côté d'une... d'une domination de ses propres troupes. Enfin, c'est exactement le même principe qu'on a là avec Adar, sauf qu'au lieu d'avoir d'un côté Sauron et d'un côté Adar, on a les deux en même temps sur le seul personnage de Sauron. Après, qui est Adar, moi, ça ne me gêne pas. En soi, ça fait un personnage qui est un peu bizarre. Je l'ai dit, je ne comprends pas où il va. Mais pour moi, on aurait très bien pu associer les deux. Et je pense que la compréhension aussi du jeu de Sauron pour avoir ce pouvoir et pour essayer de corrompre, que ce soit Celebrimbor, Galadriel ou les autres, aurait été, à mon sens, plus simple à comprendre. Mais bon, après... Voilà, c'est les choix de la série. Si on lisait notre channel Discord sur justement la série, je pense qu'on a au moins 15 000 scénarios possibles pour refaire la série. Tout le temps, de toute façon. Oui. Moi, quand même, alors, avant de revenir sur Nori et Dori, Albrand finit en prison, hein, du coup, parce que Adar croit pas en ce qu'il dit et il pense vraiment avoir tué Sauron. Et il y a quand même, il y a aussi l'épisode du Warg qu'on va arriver. On revient dans la frontière entre les terres du Sud et le Rhin, le Rhône, avec l'étranger et Nori. Et moi, ça m'a fait quand même assez plaisir de les revoir, parce que c'est un duo que j'aime bien, qui me rappelle d'autres duos. Et franchement, j'ai trouvé... Alors, là, j'ai quand même pas beaucoup de scènes de nuit, donc c'est pas le plus clair. Mais en tout cas, du coup, l'étranger est assailli de visions, notamment des visions d'un bâton qu'il a... et à chaque fois qu'il s'en empare, il a d'autres visions cauchemardesques, notamment celle d'un... Un certain mage noir qui a beaucoup de charisme, hein, moi j'ai trouvé. Il a quand même beaucoup de gueule, l'antagoniste de cette partie-là, mais on le verra plus tard. Alors, avis sur le retour d'Elanor Brandyfoot. D'ailleurs, il y a Poppy aussi qui rejoindra après, dans une scène comique, avec l'étranger. Et sur les rêves aussi, hein. J'attends vos avis aussi sur les rêves. Alors, moi, j'ai eu l'impression que... J'ai eu l'impression que l'écriture de Nori avait un petit peu changé par rapport à la saison 1. Elle était un peu moins... Elle est un peu plus directrice vis-à-vis de Gandalf. Enfin, L'étranger. On n'est pas encore dessus. De l'étranger. Et bref, j'ai trouvé que c'était un personnage un peu plus agaçant que lors de la saison 1. Ok. J'ai moins aimé le personnage de Nori. Par contre, Gandalf, je suis toujours aussi... Enfin, l'étranger, pardon. De toute façon, c'est toujours l'étranger. Je suis aussi convaincu. Je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de clins d'œil à Jackson, bien sûr. Hein, ne serait-ce que même dans son intonation de voix. En tout cas, en anglais, je ne sais pas comment ça c'est en français, mais en anglais, on sent des intonations de voix qui font très... Très Ian McKellen. Justement, chez cet étranger. Oui, tout à fait. Et donc, je suis convaincu par ce Gandalf. Un peu moins par Nori. Vivien, j'ai vu que tu n'étais pas très convaincu par Nori non plus. Non, le jeu de l'actrice, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Eloi. L'écriture, c'est une chose, bon, ça, c'est pas de son fait. Mais le jeu de l'actrice, je le trouve encore plus forcé qu'en saison 1. Et c'est vrai que ça m'a perturbé. Il y a notamment une scène, alors je ne sais pas si c'est dans celui-là, je ne me souviens plus, en épisode 1 ou épisode 2, où elle est dans le... Ils sont avec Poppy derrière leur rideau. C'est l'épisode 2. C'est dans l'épisode 2. Bon, bref, c'est pas très important parce que c'est pas un épisode, enfin, c'est pas un événement en soi très, très grave, mais où elle fait une mimique, mais absolument terrible. Et je suis pas non plus très fan du personnage pour l'instant. Plus de l'étranger, qui je trouve maintenant se caractérise aussi un peu mieux qu'à. À saison 1 qu'en saison 1 parce qu'il parle, ça c'est important. Il parlait à moitié des mots comme ça, chopés à droite à gauche au début. Là, il fait des vraies phrases, donc c'est un peu plus intéressant.
Et puis sur cette partie-là où il y a aussi la première apparition, alors moi je les ai appelés des ennemis cuivrés, je sais pas trop s'ils ont un nom pour l'instant. Non, pas encore. J'ai pas réussi à les choper. A priori, c'est des pillards de Mumakil ou des voleurs de sel, bon. Surtout, des Scavengers of Salt et des Tusken. Ouais, alors moi, ils m'ont fait énormément. Moi, je les appelle comme ça. Pour moi, ils ressemblent. C'est un mélange entre les Tusken de Star Wars et Mad Max. Oui, ouais, aussi. Voilà. Alors, par contre. Aussi, même si le commentaire peut paraître un peu négatif dans ce sens-là, les masques sont sublimes. Enfin, franchement, ils sont vraiment très beaux. Il y a vraiment un aspect pillard du désert très incarné, alors qu'on les a pas vus parler ni bouger. Que j'ai trouvé quand même assez intéressant là-dessus. Bon, l'étranger, il a certes débloqué sa compétence parler, mais par contre, la compétence maîtriser ses pouvoirs, c'est pas encore ça. Hein. Et moi, j'avoue, c'est, à la base, franchement, c'était l'arc narratif de la saison 1 où j'en avais clairement rien à carrer. Mmh. Mais vraiment, c'est... à chaque fois, ça passait au Hobbit. Voilà. Et là, du coup, le fait qu'il n'y ait plus que les deux Hobbits et l'étranger, du coup, déjà, pour moi, ça passe beaucoup mieux. Et on sent que ça va enfin devenir intéressant parce que vraiment, moi, dans la saison 1, je m'étais fait chier du début à la fin sur cet arc narratif là. Et puis c'est vraiment une région où ils peuvent se lâcher. Oui. En termes de créativité. Ça. Et du coup, il n'y a pas grand chose du coup qui va venir te choquer parce qu'au final, il n'y a rien qui existe. On ne sait rien. Voilà. Du coup, c'est à fait qu'au final là, c'est un moment un peu plus détente et en effet beaucoup de refs à Peter Jackson et à Gandalf quoi. La chanson aussi d'ailleurs. Incroyable chanson. La chanson. Non mais ça. Ah t'aimes pas? Oh bah tiens, j'arrive avec des cartes et oh, j'ai une chanson aussi. Et oh, bah tiens, par exemple, c'est là-bas, c'est pile poil là-bas qu'il faut aller. Ça marche dans plein de romans de fantasy. Oui, enfin, d'accord, mais c'est exactement comme oh, je suis au milieu de l'océan sur un radeau. Oh, tiens, il y a mon ennemi Suspension d'incrédulité. Voilà, qui arrive pile à ce moment-là. Enfin, suspension d'incrédulité. C'est de la facilité scénaristique. Bien sûr. Mais... C'est un entre-deux pour moi, c'est à la fois ridicule parce que trop facile, et en même temps, par contre, j'aime bien qu'ils mettent en avant les chansons. Parce que, bah voilà, dans les épisodes Tolkien, quand même, il y a toujours beaucoup de chansons. Et voilà, après, voilà, mais du coup, j'aime ce que ça amène une chanson et l'importance des chansons, mais c'était vraiment. Bonsoir aux gens du chat, hein, d'ailleurs, qui arrivent. Merci d'être là pour une heure très tardive, mais. Merci de sacrifier votre samedi soir sur Tolkien Deal, c'est cool. Ouais, je sais pas. Après, il y a vraiment les moments qui m'ont sorti de l'épisode, c'était surtout dans l'épisode 2, il y en a que deux, donc bon. On retourne en prison avec Albrand qui a séduit un chihuahuarg, qui a donné d'ailleurs naissance à un très beau moment que vous verrez plus tard. Et en vrai, j'ai trouvé le... Alors, c'est... Autant Waldreg et l'interaction avec Albrand, elle est un peu aux eftières. Autant le jeu de regard de Charlie Vickers avec son regard hyper pénétrant et hyper intense. Franchement, j'ai fait, mais pourquoi tu l'as pas sorti dans la saison 1 ? Ouais, mais enfin là, t'as des vraies expressions très intenses. C'est quand même. Enfin, tu t'y crois, tu vois. T'as vraiment cette espèce de prisonnier qui sait que s'il veut, il les bute absolument tous. Ou qui trouvera un plan pour tous les tuer, de toute façon. Mais il joue bien Charles Vickers. Mmh. Moi, il y en a pas beaucoup d'acteurs avec qui j'ai vraiment depuis la saison 1, ils sont quand même pas un mauvais cast. Non, clairement pas. Clairement ils pas. Sont bons. Donc Waldreg essaie d'extorquer des informations à Charlie Vickers, ça marche pas parce qu'il reste tranquille. Sauron séduit un warg avec une tranche de, enfin avec une tranche avec une cuisse de bon, viande. De viande, a priori, hein, c'est pas de quoi. Et on arrive au Linden, au Havre Gris. Et je dois avouer que le casting de Círdan, bon, la barbe était pas assez longue, mais le casting de Círdan me plaisait quand même pas mal. Les premières photos qu'on a vues étaient quand même pas mal. Et je dois vous avouer que j'ai pas été déçu quand même de l'apparition du charpentier, du seigneur des Havre Gris, pardon. Ça fait plaisir d'enfin le voir quand même. Ouais. Enfin, et puis il a la classe. Faut avouer. Il est très bien. Il pète de classe, quoi. Donc,
Elrond, j'allais dire Frodo, pardon. Elrond part le retrouver parce que. Et en fait, j'ai trouvé ça très logique comme choix. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé ça quand même très logique parce que, en vrai, même s'il n'a pas l'autorité de Gil-galad, même s'il n'a pas la proximité de Galadriel, en vrai, dans le légendaire, a priori, de tous les survivants. En vrai, de tous les survivants du premier âge qui sont nommés, c'est lui, c'est le plus vieux. La personne le plus proche d'Elrond. Parce que. Vieux. Et le plus vieux aussi, c'est le plus vieux des elfes. Enfin, le plus vieux des elfes résidant en Terre du Milieu. Non, effectivement, t'as raison, c'est le plus proche en termes de famille. De famille, ouais. Oui. On peut dire ça. Ils ont vécu ensemble sur les havres du Sirion avant la dégringolade, la fin du Premier Âge. Effectivement aussi, l'acteur, je suis d'accord, est très très bien choisi et il a une prestance qui est assez folle. Ce qui m'a permis de lui pardonner l'élément qui m'a sorti dans la saison 2 aussi. C'est qu'il a une prestance vraiment folle, mais enfin, l'événement dans la saison 2 du rasage. De l'épisode 2, du rasage. Pourquoi ils ont fait ça, j'ai pas compris. Ouais, moi non plus. Enfin, je sais pas. Mais après, j'ai vu sa tête sans barbe, j'ai fait. Ça passe. Ça passe tellement. Enfin, je sais pas. Après, les elfes se rasent peut-être, hein, mais juste que c'est un truc qui le caractérise énormément. Il se coupe les cheveux, il se rase. Hein, comme tout le monde. Juste, il est caractérisé par ça, mais franchement, il est quand même assez incroyable. Bref, Elrond et Círdan. Ouais, le truc qui m'a perturbé, par contre, c'est qu'ils disent que, enfin, alors que c'est un elfe qui n'est jamais allé en Valinor, seule Valinor est parfaite. Voilà, et j'étais là en mode. C'est un peu chelou, quoi, comme phrase. Enfin, cette phrase m'a perturbé. Après, je sais. Enfin. Tu vois, quand j'y pensais juste à ça tout à l'heure, c'est que quand les trois représentants elfes, donc les chefs des trois clans, lors de l'éveil à Cuivienen, reviennent de Valinor pour retrouver les elfes et les guider vers le sentier opposé, quoi, enfin, les amener vers Valinor, il y a la lumière de Valinor sur eux. Oui. Donc Círdan a pu il a pu voir des éléments de Valinor par interposition, tu vois, pas directement. Il mettait ça dans un contexte Silmarillion, Tolkien. Oui. Là, c'est dans le contexte de la série, on n'a jamais expliqué qu'ils n'avaient pas le droit de revenir et d'aller et venir comme ils voulaient. On sait juste qu'ils peuvent repartir et que c'est plus compliqué de revenir. Mais ça peut très bien être un personnage qui a fait le choix de repartir, de revenir, avec ou Fëanor, simplement parce que il est charpentier, on le comprend, que c'est lui qui crée les vaisseaux pour les emmener, les elfes. Bah, il peut être capitaine de vaisseau et faire les transferts de l'un à l'autre, tu vois. Donc ça, c'est, un passeur. Ah oui. Enfin, je pense pas que ça soit le plus gênant de. Oui, bien sûr. Mais ça m'a. C'est le truc où je. Après, effectivement, dans le contexte tolkienien, t'as entièrement raison. Mm. Ça vient juste heurter l'oreille, même sans que ce soit choquant non plus, mais tel. Tiens, voilà. Bon, ouais. Donc, et j'ai bien aimé la tronche juste. Vas-y. Des havres gris. En mode vraiment, là, pour l'instant, c'est les petites bicoques, c'est. Il y a le phare et trois bicoques, et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que du coup. Très champêtre. Voilà, on construit les navires, on n'y a pas encore tout construit. Je ne m'attendais pas à ça, j'ai trouvé ça mignon. Voilà. Éloi, ça un mot. Tout le monde, Éloi, un mot sur les Havres Gris, sur Círdan, sur la relation qu'il a avec Elrond aussi, hein, parce que. Alors moi j'ai bien aimé que Círdan apparaisse comme un personnage qui est très détaché du reste des personnages. Déjà parce qu'on l'a pas vu dans la saison 1. Et ensuite parce que quand il intervient, tout le monde le respecte. Et notamment lorsqu'il fait irruption, donc on va y venir. Fin de la saison 1, enfin à la fin de l'épisode. Lorsque Gil-galad annonce qu'ils doivent évacuer le Lindon. Et donc ça permet, effectivement, ça offre un personnage qui va permettre de s'échapper sur d'autres choses, et c'est d'ailleurs l'utilisation qu'ils en font par moment dans la série, avec ses dialogues avec Elrond. Donc j'ai trouvé ça, je suis assez convaincu par Círdan, pour le coup. Et moi j'ai trouvé que la relation qu'il avait avec Elrond était beaucoup plus juste que la relation qu'Elrond avait eue avec Celebrimbor. Je m'attendais plus à ça, en fait, pour la relation qu'il avait eue avec Celebrimbor, ou même avec Gil-galad, qui est pas... Bah, du coup, il n'y a pas de sentiment de trahison, il y a vraiment un sentiment de vrai respect entre les deux. Et il est quand même assez, assez intéressant. Et en effet, ce détachement le rend attachant. Dans le sens où il est très détaché des choses, mais il est très contemplatif de son propre travail.
Donc voilà, donc Sauron lui explique, enfin Sauron, pardon, Elrond lui explique l'affaire, notamment lui présente la sacoche, enfin le pochon, le truc, la bourse, pardon, la bourse. Le sakouné. Le sakouné contenant les trois anneaux, et Círdan lui explique qu'il y a un moyen de les détruire, enfin pas de les détruire, mais en tout cas de les cacher. Au plus profond, c'est-à-dire en fait d'utiliser la solution qui est prononcée par le conseil d'Elrond dans le Seigneur des Anneaux, à savoir les balancer dans la flotte, notamment dans une faille qui daterait a priori de la bataille de la Grande Colère, etc. Voilà, ils font du name dropping un peu. Je sais pas. Au moment où Galadriel et Gil-galad se rendent compte que Elrond est parti voir Círdan. Et en fait, Círdan a déjà mis les voiles et Galadriel arrive un peu déçu. Choqué, déçu, comme diraient mes élèves, d'ailleurs. Je sais pas. En fait, le fait que Galadriel se fasse tromper par Elrond, pourquoi pas. Comment c'est fait? Bon. Moi, là, je trouve, là où ils avaient bien réussi leur relation saison 1, là, pour l'instant, leur relation m'a saoulée. En même temps, il lui a menti. Enfin, il lui a menti. Ouais, mais... putain, t'es un elfe âgé de... Enfin, il y a un moment donné... On sait pas leur âge. Je veux dire, ouais, mais tu t'es fait... Je veux dire, c'est... Au bout d'un moment, ça fait vraiment gaminerie. J'ai pas du tout aimé la manière dont ils représentent le truc, quoi. Tu t'es fait avoir par Sauron. Je rappelle. Ouais, mais bon, si tu peux bien te faire avoir par quelqu'un, c'est quand même par ce genre de... Oui, de gus, quoi, tu vois. Enfin, voilà, je trouve que c'est très surjoué, c'est vraiment... t'as pas bien fait. C'est inintéressant au possible, ça m'a sorti pas mal. Ok, ouais. Vivien, Eloi, un mot à ajouter, sinon on passe. D'accord. Moi, je suis d'accord avec... Ah non, ok. Avec Imbéré sur Elrond. Un peu l'adolescent boudeur. Après, il y a un point qui est intéressant quand même, c'est qu'il a une façon de justifier de son refus d'utiliser les anneaux qui est intéressant. Il voit le truc se faire, quoi, la corruption se faire. Mais par contre, il voit pas la partie bénéfique. Et c'est là où va devenir intéressante sa relation avec Círdan quand celui-ci va lui expliquer. Quand on sera à l'épisode 2. Ouais. Alors on va accélérer un petit peu, on revient un peu dans le Rhin. Poppy, Nori, Rune. Le Rhin, moi j'aime bien dire le Rhin en vrai. Strasbourg. Bienvenue à Strasbourg. Voilà, exactement. L'Allemagne, tout ça. Avec l'épisode du puits. Alors déjà le fait qu'ils aient enfin c'est plus tard ça. Enfin déjà qu'ils aient enfin trouvé le rune. D'ailleurs c'est moi j'aime bien ces plans de l'être dans la terre et tout, c'est assez marrant. Oui, c'est plutôt bien fait ça. Ouais. Ils l'ont sorti 2-3 fois, c'est pas mal. Et en fait on va en revenir. C'est en saison 2. Ouais, en fait ça on va revenir assez vite à Círdan qui décide. Oui. De ne pas jeter les anneaux, finalement. Alors moi, il y a un truc que j'ai apprécié ici. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est moi qui ai inventé la référence ou quoi. C'est cette vague qui l'empêche de jeter les anneaux. Bon, voilà, un fan service. En veux-tu, en voilà. Référence à Ulmo. Comment ? En veux-tu, en voilà. Du fan service. Voilà, ouais. Référence à Ulmo qui a une relation privilégiée avec Círdan, je ne sais pas, et qui du coup, par ce message particulier, lui explique que finalement les anneaux, ils sont pas si maléfiques, mais peut-être qu'il faudrait les garder. Bon, est-ce que c'est avéré ou est-ce que c'est une invention de mon esprit, je ne sais pas. Mais je crois qu'on est beaucoup à avoir pensé à la même chose. Vraiment, tu vois là l'intervention d'Ulmo pour dire « Dis mauvaise idée. » Garde-les. Garde-les quand même. Ça peut servir. Pendant tout le coup de là, comme ça. Un âge et demi. Donc, pas mal cette petite référence.
D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai mis en moment préféré, en ce qui me concerne. Et puis là, tu vois, c'est une référence qui reste... Enfin, c'est un truc qui est discret. C'est-à-dire, c'est si tu connais la question ou le mot, etc., bah, de suite, ça va te sauter aux yeux. Mais pour quelqu'un qui est plus néophyte, bah, c'est... Ouais. C'est un accident, voilà. C'est un accident qui a voilà. pu faire. Et du coup, tu sais, c'est pas un... pour une fois, ils ont pas fait un truc trop à l'américaine où le vas-y, viens, j'insiste quoi. Bien et j'explique bien ce qui est en train de se passer, tu vois. Et du coup, ça serait que j'ai apprécié ce. Voilà, c'est une petite touche. Alors, on retrouve Albrand qui cède finalement, qui décide de prêter allégeance à Hadar en échange de sa liberté, de la liberté de son peuple, qu'on verra pas. D'ailleurs, et qu'il y a une scène où Hadar explique en fait l'origine, son origine personnelle, hein, du coup, d'être un Moriquendi béni. D'ailleurs, j'ai trouvé ça marrant qu'il utilise le mot béni par Melkor, enfin par Morgoth. D'ailleurs, pourquoi il utilise Morgoth, c'est bizarre. Ça doit être une question de droit. Je pense que Morgoth va apparaître dans les appendices. Ok, et pas Melkor, du coup. Ok, oui, sûrement. Et du coup. Ça, en fait, j'adore ce moment pour le jeu de Charlie Vickers, même si l'histoire en fait de Hadar est quand même assez bien racontée. C'est ces espèces de sourires. C'est le fait de, je m'agenouille, mais en fait c'est moi qui vais gagner à la fin et. Et comme ils disent dans le chat, ils prêtent pas allégeance à Hadar. Oui, c'est le seigneur du Mordor. Oui, enfin, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est Hadar. Hein. Oui, mais du coup, en soi, il aura pas menti quand c'est lui qui reprendra. Sauron ne ment pas. il a pas menti. Sauron ne ment pas. Et moi, j'ai bien aimé le fait qu'il parle de l'intervention de Sauron, techniquement, dans la création des orques. Voilà, c'était une petite, pareil, petite allusion que j'ai appréciée. Sachant qu'il y a aussi le moment où Waldreg est puni du coup par Sauron. Avec toujours ce. C'est un personnage qui n'a jamais servi à. Oui, oui, oui. Si, l'épée, c'est lui qui l'active. Oui, oui, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Oui, voilà. Mais voilà, cette scène sur le cheval où on entend les hurlements où il sourit, j'ai fait. Je sais que c'est facile, mais. Ça marche quoi, enfin, c'est rigolo, ça fonctionne. Oui, là-dessus ça a fonctionné pour moi aussi, sur mode. Eh ben voilà, dans ta dents. Face, voilà. Voilà. Et j'ai vraiment trouvé cette relation vraiment sympa. Vas-y, Léo, j'ai été un peu. Enfin, bon, c'est sûr que voilà, il adopte son warg, il l'envoie contre les gens qui l'aiment pas, bon. Ok, mais j'ai été content de voir parce que Sauron avait quand même encore conservé un petit peu de pouvoir, quoi. Il arrive au Mordor, il se fait emprisonner, il est complètement à la merci d'Hadar. Ben non, quand même, déjà à ce moment-là, il montre que c'est lui le patron et qu'il ne va pas se laisser faire. Donc j'ai bien aimé parce que pendant beaucoup de ces scènes-là avec Sauron et Hadar, je me suis dit, Sauron a l'air un peu trop impuissant à mon goût et... voilà, ça permettait de faire un peu. Après, tu vois, malgré toutes les scènes de bataille qui a été montrée avec Charlie Vickers jouant Sauron, du coup, sous sa forme humaine, Sauron dans Légendaire, c'est pas une bête de guerre. Hein. C'est pas un dieu des exploits guerriers, c'est pas un Balrog. Mais c'est un seigneur des guerres, comme une bête de guerre. Oui, bien sûr. C'est montré comme un Maya, en fait. Oui, bien sûr. Après, mais là, c'est pas son but. Là, il faut qu'il soit. Là, son but, c'est de se planquer. Oui. Et moi, je trouvais que ça allait bien justement avec cette version du Sauron du deuxième âge qui, enfin, du milieu du deuxième, enfin du début du deuxième, qui en fait est un gros planqué, qui se cache parce qu'il a peur des Valar et il a peur d'absolument tout, jusqu'à ce qu'il sente suffisamment confiance pour revenir. Enfin, c'est un peu ça, moi l'idée que j'ai derrière ça, quoi. Mais même si tu vois, même si oui, le Chihuahuarg, enfin voilà quoi, ni fait ni à faire. Mais j'ai aimé par contre le fait qu'en effet, il puisse contrôler le Chihuahuarg. Ouais. Parce que, ça, voilà, j'étais là, Sauron, c'est quand même le seigneur des loups-garous aussi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Après, ça rejoint aussi la scène dans l'eau où il contrôle aussi les... Voilà, et il y a quelque chose quand même. Normalement, les toutous, il n'en a pas peur, quoi. Et puis il y a aussi, voilà, en fait il rejoint tout le temps ce discours, ce pouvoir sur la chair, et over the flesh, qui va motiver en fait sa construction des anneaux, comme focal, mais en fait c'est... Ça tu vois, j'ai trouvé ça bien fait, c'est qu'en fait c'est toujours dans cette... Son pouvoir s'exprime toujours dans
cette dynamique-là. Mm. Bah, toutes ces actions de pouvoir, c'est toujours le pouvoir sur les corps. Voilà, bref. On va avancer, hein, parce que... Bah, Charlie Vickers qui sourit, c'est quand même assez rigolo. Moi, j'aime bien. Scène incroyable, incroyable, avec Gil-galad qui chante. Alors pour ceux qui savent pas, hein, Ben Walkers avait déjà chanté durant une Comic-Con. Bah il chante vachement bien le type, hein, quand même, hein, la vache. Ouais, franchement, c'est la chanson, quand je l'écoutais la première fois au cinéma, ça m'a tiré des frissons un peu, donc je fais ah oui quand même. Ça m'a tellement pas marqué, moi. Ah ouais. Oh, t'as le droit. Ouais, non mais sûrement, faudra que je revisionne l'épisode. Mmh. Mais après, moi, d'ailleurs, les musiques, hein, sont quand même extra. Bien McCreary a fait un taf de ouf. En général, oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, il a confirmé que c'était bien Ben Walkers qui chantait et pas un autre chanteur qui chantait dessus. Voilà, c'est vraiment une performance de l'acteur lui-même. Et moi, j'ai trouvé qu'elle était quand même à saluer. Bref, voilà. Donc, ils chantent le départ des elfes, le fait qu'ils doivent tous partir avec Eldarié. Et finalement, qui arrive pour venir sauver la mise? Jordan arrive. Pourtant, alors moi, j'ai trouvé ça génial, c'est que... Avec le grand Thanos. Ouais, c'est ça. C'est que Kiernan, il s'est pas fait chier. Il a pris son anneau. Et il a dit, celui-là, c'est le mien. Il a le droit. Ouais, voilà. Je te punch si jamais t'es pas d'accord. Quoi. Il a le droit, c'est Kiernan. Donc il le file, il file les anneaux à Gil-galad. D'ailleurs, en fait, c'est très drôle qu'il file Nenya et Vilya à Gil-galad, sachant que c'est Narya et Vilya qui iront à Gil-galad. Et qu'en fait, Galadriel, elle a déjà le sien. Et bon, après, il y a la chute des anneaux qui était quand même assez critiquée en disant « Oh, ils sont maladroits, etc. » Mais en fait, c'est juste Nenya qui choisit son porteur. Quoi. Ce sera pas Gil-galad, ce sera Galadriel qui s'en empare, malgré les protestations d'Elrond. Je continue de penser que c'était nul, cette histoire de faire chuter les anneaux. Il savait dès le début qui allait avoir les anneaux. Hein. Bah, c'était tissé dans la fin de la saison 1, quoi. Enfin... Bah oui, de toute façon, c'était Galadriel et Gil-galad à un endroit. Et Celebrimbor qui pensait qu'il allait en recevoir un, qui finalement se fait blouser par. Par Kiernan. Bon, ça à la limite. Une fois qu'il a choisi son anneau, il pouvait plus revenir en arrière, quoi. Mm. Fait un peu clin d'œil à l'anneau unique qui dégringole, etc. Des marches de Gollum et qui se retrouve au pied de Bilbo. On avait vu cette scène dans, je crois que c'est dans le Seigneur des Anneaux. Dans les deux. Ouais, ouais, tout à dans fait. Les deux d'ailleurs. C'est dans les deux. Ouais. Je ne sais pas si je suis convaincu par l'idée que les autres anneaux et pas uniquement l'anneau unique aient une sorte de volonté à eux. Ouais, moi, je l'ai trouvé un peu trop, en effet, ça faisait trop la même manière dont Frodon peut regarder l'anneau unique, ça faisait too much. Après, là, on n'est pas dans les anneaux 100% tolkieniens où les anneaux des elfes sont 100% bien. On parle d'anneaux qui confirment un petit peu la crainte d'Elrond, à savoir que les anneaux ont un pouvoir aussi sur leur porteur. Après, voilà, c'est un choix, scénaristique. Ils ont quand même un pouvoir sur leur porteur, mais après, c'est normal aussi que... Enfin, c'est pas que le pouvoir de conservation, tu vois. Une des difficultés d'adaptation de Tolkien, c'est justement l'aspect magie, mine de rien, et cette notion des anneaux de pouvoir, où on est vraiment sur quelque chose d'une notion d'influence. Et c'est quand même très compliqué à montrer à l'écran, donc je comprends qu'ils en fassent un peu des caisses sur ces aspects-là, parce que... c'est comment le représenter fidèlement à l'écran, c'est quand même très compliqué. Ah bah c'est pas, enfin, chez Tolkien. Pour le coup, c'est pas chez Tolkien qu'on balance des tornades. Voilà, normalement. Et qu'on a des gens qui s'envolent en papillon. Mais bon, c'est pas grave. Spoiler. Merde. Mais du coup, par contre, sur ce côté-là, je comprends la nécessité quand même de montrer en quoi ce sont des anneaux de pouvoir et pas juste j'ai une bague, quoi. Il n'y a pas juste un truc qui conserve la réalité extérieure, c'est des anneaux qui ont une volonté propre, qui sont magiques, qui sont dangereux.
en fait. Mais le pouvoir, ouais, il est très bien montré avec l'illumination des Melirnes, tu vois, à la limite. Moi, je préfère ça, cette façon de... D'ailleurs, la bague de Gil-galad qui montre qu'il est très bien bling-bling, et j'arrive justement avec les Melirnes. C'est rap... le, comment dire, les rappeurs, là, comment... Oui, c'est ça, ouais. D'ailleurs, la scène visuelle de la fin du marissement est quand même assez réussie, d'ailleurs. Ah, visuellement, oui. C'est un peu too much, les néons dans les arbres. Ils ont peut-être été un peu trop forts sur les effets spéciaux, quand même, mais ça va, je trouve. Bon, c'est... tu sais, un million... Enfin, tu vois ce qu'on disait par rapport aux anneaux juste avant. Là, à la limite, on voit le pouvoir de... Oui, on voit le pouvoir bénéfique, on voit pas le pouvoir maléfique. Anneaux, mais sans... Ouais, enfin, même, tu vois, les anneaux elfiques sont pas censés être maléfiques. Chez Tolkien, oui. Dans Ring of Power, on sait pas. Tolkien, oui. Ça, évidemment, si on part de ce principe-là, on peut aller loin. Bah, moi, je suis pour qu'on dise qu'il y a un Ring of Power Cinematic Universe. C'est juste, il y a le lore Ring of Power et il y a le lore Tolkien. L'un s'inspire de l'autre, mais c'est deux lores quand même très différents. Moi, je me demande quand même comment ils vont réussir à introduire l'anneau unique, en fait. Parce que si déjà maintenant Sauron a un pouvoir sur les autres porteurs des anneaux sans avoir d'anneau unique, à quoi sert l'anneau unique? Oui, mais comment il l'a fait dans ce cas, dans les 7 et les 9, tu vois? Il n'avait pas besoin de l'anneau unique pour les soumettre. Bah, il a participé à leur fabrication pour les 7 et les 9. Bah, là, il a aussi participé. En fait, il a un 3, peu. Il n'a pas participé. Il a un peu. Il les a pas touchés. D'ailleurs, tu le vois dans la suite avec cette notion de. C'est dans l'épisode 3, là, pour le coup, donc je crois qu'on en parlera pas aujourd'hui. Oui. Mais voilà, il y a vraiment cette notion où il prend. Voilà. Vous pouvez marquer la différence vraiment comme ça, quoi. C'est quand même son savoir qui a participé encore plus dans Ring of Power que dans le légendaire. C'est quand même son savoir qui participe à la création des anneaux. C'est ce pas qui est techniquement vrai là-dessus. C'est Celebrimbor, ayant beaucoup appris de Sauron, va être en capacité du coup de créer ses anneaux de pouvoir. Donc voilà. Ouais. Bon, alors. Sur ce, on va clore là-dessus, hein, très belle scène avec les trois anneaux et machin. Donc là, c'est le résumé. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit quand même, c'est dans la scène, dans la vie réelle, t'as vraiment trois pédus qui sont là. Regardez nos mains. Qui attendent là, comme ça. Alors, je... T'as vu, regardez le look de Ring. Oui. C'est un peu chelou quand même. Oui, mais sauf que ça existe dans la vie réelle. Enfin, ça existe. Et après, on clôt l'épisode 1 sur Celebrimbor, qui attend des nouvelles du Lindon, et sur Daddy Sauron. Qui arrive sur son cheval en Nerigion. Alors, vite fait, avant de faire la pause, la coupure et de passer à l'épisode 2, le moment préféré des intervenants, il vient. Bah moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'était principalement, alors c'est pas un passage, mais c'est le personnage de Círdan. Ça peut être un personnage. Et avec, si je dois trouver le passage, la référence à Ulmo quand il est sur sa barque ne pas jeter finalement les anneaux. Limbayre. Bah moi c'est le chant de Gil-galad parce que j'ai aimé ce moment. J'ai été prise par cette musique et ça m'a vraiment plu. Ouais. Pour moi c'était le personnage de Galadriel par rapport à sa performance lors de la saison 1. Parce que c'est vrai qu'on a dit que bon elle avait un peu l'air de d'être une adolescente, d'être un peu capricieuse, mais j'ai trouvé que c'était un personnage qui se relevait bien de ce qui s'était passé dans la saison 1. Un personnage qui apparaît comme fragile et comme souhaitant se repenter, souhaitant se faire pardonner par les autres. Et donc, c'est pas mal de voir que Galadriel est sur ce point de bascule. Elle est à la fois influencée par Sauron, c'est évident, en plus avec l'anneau qu'elle obtient dans cet épisode, mais elle est aussi tournée vers Valinor, en fait, toujours tournée vers Valinor, contrairement à ce que peut affirmer Elrond, hein, qui dit plusieurs fois que la lumière de Valinor brille sur son visage, mais son visage est tourné vers Sauron. Épisode 2. Ce exactement. Épisode 2. C'est épisode 2, d'accord. Épisode 2. Eh bien, voilà, je l'ai trouvé moins... moins pestouille. Plus elfe, en fait, disons. Elle on incarne bien en fait le dilemme des elfes. On l'avait classé B, je crois, dans le classement de fin de saison 1. Ouais. En disant qu'elle avait beaucoup de potentiel, mais que c'était pas exploité dans la première saison.
C'est tout ça, surtout la critique. Transition formidable pour les moments qui... Non, vas-y. Mon moment préféré, c'était en fait l'intro. J'ai adoré l'intro, notamment à Madrid, c'était quand même assez incroyable. Ouais. Il y avait plein de... Je sais qu'elle n'a pas toujours plu, mais en fait, il y a un espèce de jeu sous-entendu du fait que Sauron soit pas confiant, une interprétation que j'ai bien aimée, même si elle n'est pas forcément raccord, avec Adar, avec le fait qu'il mente, avec le fait qu'il soit pas en confiance, il y a tout un jeu là-dedans que j'ai quand même... qui m'a plu, en vrai. Même si j'aime autant Círdan, etc., mais ça m'a vraiment plu, ça. Et maintenant, le moment Chihuahuarg, grande nouveauté des acteurs de Tolkien Deal de cette année. Donc c'est le moment mif-mouf qu'on n'aime pas. Et je vais donner à Eloi la parole. Alors je crois qu'on est deux à avoir ce même moment-là qu'on n'apprécie pas trop. C'est vraiment Sauron flaque de pétrole. Mmh. Alors, en soi, pourquoi pas, mais le gros problème, c'est que c'est la manière qu'on s'est amené, en fait. On voit d'abord Sauron donc, qui se fait poignarder et comme une sorte de déflagration. Donc on pourrait penser que son esprit s'en est allé et que c'est donc comme dans les livres ou dans des cas similaires, en fait, les esprits s'en vont comme des sortes de fumée pour rejoindre on ne sait pas trop quoi pour le moment. Mais là, en fait, au contraire, on ancre Sauron dans la matière, en fait, avec ce filet de sang ou on ne sait pas trop quoi qui tombe et qui fait une flaque. C'est un effet visuel assez audacieux, c'est pour ça que je parlais de choses audacieuses au début. Je trouvais ça très audacieux de faire Sauron une sorte de monstre un peu à la Miyazaki en fait, qui dévore des choses. Ça faisait très Voyage de Chihiro, je trouvais. Mais je suis pas particulièrement convaincu de cette incarnation là. Voilà. Manon. Ben moi, c'est le moment de Galadriel qui se fait gronder comme une gamine de 5 ans. Quoi. Par qui Galad ? C'est par qui Galad ? Oui, mais comme elle a une attitude de gamine de 5 ans. Tu regardes le film, elle se met comme ça, on dirait presque qu'elle a des couettes. Elle fait « Pardon, excusez-moi, je suis désolée. » quoi. Enfin, non, oui, c'est Gil-galad, mais je suis désolée. Enfin, oui, Gil-galad, c'est le haut roi des elfes officiellement, mais en termes... En termes génétiques, elle, c'est aussi une héritière techniquement à la couronne. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus. Non. C'est la fille, c'est quand même la fille de Finarfin qui est restée en Valinor. Oui, mais c'est dans les. C'est quand même toute cette famille royale, quoi. Oui, mais c'est pas Jules Clodo. On sait que les elfes sont attachés vraiment à la notion de royauté. Enfin, genre, c'est codifié dans leur génétique, quoi. Elle est quand même descendante de Finwë. Oui, oui, oui. Désolée, elle est royale. Mais Gil-galad a l'autorité politique. Mais est-ce le cas dans le Ring of Power? Je crois qu'il l'appelle fille de Finarfin, donc ouais. Si, du coup, elle est fille de Finwë. Et moi, dans cette attitude, c'est, je veux dire, tu peux te faire engueuler, mais pas avec une attitude de gamine de 5 ans, quoi, s'il te plaît. Ils ont continué sur le jeu de la saison 1. Ils ont continué sur la saison 1. Mais moi, de ça, la saison 1, j'en pouvais plus de cette attitude de gamine adolescente, quoi. Non, t'as passé l'âge, ma pauvre fille. Quoi. Enfin, je veux dire que Gil-galad l'engueule, ok, mais il y a un moment donné, je sais pas, moi, ça m'a. Non, même pas répondre, mais à un moment donné, enfin, je veux dire, je suppose que si quelqu'un t'engueule, les gars, tu fais pas la même tronche que tes élèves, quoi, tu vois. Je veux dire, à un moment donné. Il y a un souci de hiérarchie de l'âge, en fait, même. Donc, ça, c'était un problème dès le départ, mais. Ben, oui, Galadriel, elle est considérée comme, avec Fëanor, une des plus puissantes et incroyables des Noldor. Elle est plus âgée et aussi. Elle est bien plus âgée que Gil-galad. Enfin, au bout d'un moment, ok, c'est lui le roi, mais c'est pas n'importe qui. Mais tu vois, il y a aussi ça comme souci, c'est que quand... Alors, je suis d'accord avec toi sur l'interprétation de Morphy Clark sur le fait qu'elle se fasse engueuler, et je suis pas d'accord avec le jeu d'acteur, mais en vrai, et ça on pourrait y revenir dans un autre live sur le sujet, c'est que l'attachement des elfes au lien royal, au fait à la personne qui porte la couronne, prédomine vachement. Oui, mais ça n'explique pas que tu t'es en mode... Que tu t'écrases. Oui, bien sûr. Que tu t'écrases. Non, mais tu peux t'écraser dignement, je suis désolée. T'as pas besoin de ressembler à une gamine de 5 ans. Oui. Voilà. Vivien, on va finir là-dessus, et après on passe à la pause. Non, mais moi j'avais plus ou moins le même avis que Eloi sur le côté Sauron en bout...
qui vampirise. Moi, ça m'a fait plutôt penser, plus que Tolkien, ça m'a fait penser à un épisode de Harry Potter où ils expliquent comment Voldemort survit dans la forêt. Donc, enfin, je trouve pas que ça soit Moi, ça m'a pertinent. Fait penser à Venom dans le Spider-Man de Raimi. Ouais, c'est un peu le même. Alors, messieurs, dames, je vous propose de faire une... Le côté visuel. Oui, je vous propose de faire une toute petite coupure de 1 minute, 2 minutes, le temps de se resservir en eau, etc. On revient immédiatement pour parler de l'épisode 2. Et puis voilà. À tout de suite. À tout de suite.